L'objectif de cet atelier est d'évaluer l'exécution du contrat d'affermage, un contrat signé en 1999 pour assurer l'entretien, l'exploitation des réseaux et ouvrages d'assainissement et de drainage de la ville d'Abidjan. Il y a lieu aujourd'hui d'améliorer encore davantage ces contrats, les adapter, si vous voulez, à la situation actuelle, pour qu'ils soient plus performants et que les usagers puissent effectivement considérer que le système d'assainissement de leur ville est performant et se fait pour le bien-être de la santé en particulier et de l'environnement. Cette étude a été financée à hauteur de 200 millions pour permettre donc d'évaluer la mise en œuvre du contrat de ville qui permet donc à un fermier de gérer et exploiter donc le réseau qui a été élaboré par l'État de Côte d'Ivoire. Je voudrais dire que l'assainissement est une question importante pour le développement. À travers donc des ouvrages d'assainissement, on essaie donc d'améliorer le cadre de vie. Cet atelier de restitution a été l'occasion d'élaborer le plan d'action approprié pour la mise en œuvre des recommandations. Il s'agit aujourd'hui, à travers ce séminaire-là, pour l'administration, de s'approprier les résultats, n'est-ce pas, de cette étude-là, sous forme de recommandations, pour pouvoir aviser que le contrat bientôt va prendre fin. Les experts recommandent la régularisation de la situation actuelle et l'inventaire quantitatif et qualitatif des installations d'assainissement de la ville d'Abidjan.